Seconde émission annoncée sur le sujet littéraire donc. Je vais essayer d'imaginer un contexte d'adaptation de contenu littéraire qui, à mes yeux, offrirait le plus de perspectives en jeu vidéo a priori, qui, de façon assez abstraite, permettrait une expression maximum des auteurs d'un jeu adapté d'œuvres littéraires, ouvrant le champ à des choses nouvelles, ou encore marginales en jeu, aussi légitimes à explorer que ce qu'on a d'ores et déjà extrait du littéraire pour le jeu vidéo, bref, un contexte qui accroîtrait la chance d'explorer l'œuvre d'origine, ou du moins ne pas s'en servir uniquement de support décoratif, mais comme support d'idées, par exemple, pour le jeu adapté. Les critères que je vais proposer sont très subjectifs, empiriques, partant d'hypothèses personnelles, les exemples de jeux cités dans l'émission précédente n'ont pas vocation à les justifier, ça peut même s'opposer à ce que j'ai évoqué, mais je pars ici de sentiments personnels. Ce sont des propositions discutables, parmi mes projets d'adaptation de chansons et romans anciens, certains correspondent aux critères que je vais formuler, d'autres non, ça n'est donc pas un manifeste, je vous invite à critiquer ces critères, en trouver d'autres, proposer d'autres approches, etc. Quel pourrait donc être ce contexte idéal d'adaptation ? Il y a peut-être déjà assez vite un malaise, une complication, quelque chose de souvent peu naturel, d'artificiel aux adaptations littéraires en jeux vidéo, et cela provient peut-être des rapports et des représentations, des préconçus sur ces deux médias. Proposition 1. On pourrait donc d'abord privilégier une adaptation officieuse, ou l'adaptation officielle d'une œuvre suffisamment modeste, confidentielle, pour fournir un support rassurant pour le jeu en termes d'atmosphère, récit ou écriture de personnages, sans l'étouffer par sa notoriété, éviter une création de jeu qui aurait quelque chose à se prouver, à prouver à son œuvre originelle, éviter un complexe d'infériorité ou inféodation médiatique. Cela revient-il à privilégier une littérature marginale pour du jeu indépendant ou industriel plutôt que des ouvrages canons ? Pas forcément, le mythe d'Orphée ou Dante sont à la fois classiques, séculaires et sans doute assez peu grand public, et du reste, si Orphée, Dante, Lynch, Insomnia sont des références livresques et visuelles imposantes, Silent Hill 2 s'en tire très bien sans être l'adaptation officielle d'aucun de ces objets, peut-être parce que ce matériau d'étude, ces influences ne sont pas une finalité, mais un outil, et qu'il y a une vraie proposition créative, une vraie identité du jeu, au-delà d'un amoncellement de références. La force de Silent Hill, c'est peut-être aussi de convoquer des références multiples, notamment littéraires, plusieurs champs de l'art en sous-texte, et de faire dialoguer donc plusieurs littératures, plutôt qu'une seule, qui dominerait l'ensemble du jeu. Une adaptation officielle et unique du mythe d'Orphée aurait castré la proposition finale, mais, comme point de départ officieux qui laisse la réflexion, l'inspiration et la création totalement ouvertes, ça n'a que des avantages artistiques à mes yeux. Proposition 2. Choisir une œuvre qui n'ait pas déjà été accaparée par le cinéma pour ne pas subir le poids de la référence visuelle ou atmosphérique imposée auparavant, et se retrouver entre l'exercice de l'adaptation et du produit dérivé. Il faudrait pouvoir réinventer Cthulhu sans les images et illustrations préexistantes, ce qui ramène au critère d'une œuvre de préférence discrète ou abordée de façon indirecte, adaptation secrète, apocryphe, etc. Proposition 3, des œuvres dans la langue de l'auteur du texte plutôt que des traductions. Et, de préférence pour le créateur du jeu, des œuvres dans une langue que l'on parle soi-même aussi bien que possible. Adapter une langue que l'on comprend bien, voire une langue maternelle, avoir déjà un lien riche et intime avec celle-ci, avec le véhicule même du texte, pour accroître les chances d'en extirper le plus de sens possible. Et pour ce point, je vais convoquer et paraphraser un propos dont je n'ai pas retrouvé de traces, mais qui, si mon souvenir est bon, a été tenu par Pietro Righi, l'idée que si on laisse les Américains s'emparer du Dante à la place des Italiens, il y a le risque d'y perdre quelque chose, et qu'il faut que les Italiens eux-mêmes osent parler de ces objets de patrimoine. On peut être passionné de littérature ou d'histoire étrangère, bien sûr, et vouloir en parler, oser parler de choses que l'on a fréquentées personnellement, même dénuées a priori de valeur commerciale mondiale, c'est déjà parler de choses plus véritables pour nous, et en termes d'honnêteté dans le processus de traduction, d'adaptation, cela compte pas mal, je pense. Le vidéaste Pierre E disait que Life is Strange aurait été un jeu exceptionnel s'il s'était passé en France, et non dans cet épinal scolaire américain d'Hollywood, déjà tellement associé dans l'inconscient collectif à tout un cinéma d'action, propagande, etc., et on peut sans doute dire de même des jeux de David Cage. Ce n'est pas une affaire de patrimoine, sentiment national, culte des ancêtres ou ce genre de choses, mais voulant par exemple adapter l'ancienne chanson Blanche Biche en clip interactif, ou encore le roman Tulipe Noire, je n'attends pas que l'idée vienne d'ailleurs, j'ai des liens forts avec ces œuvres,
pas seulement parce que je suis français, mais la langue est effectivement une clé de ce rapport, et cela affine le lien à l'œuvre. Si je veux adapter des ballades irlandaises que j'aime également, je devrais faire un effort différent pour plonger dans le texte et l'imaginaire associé. Je pense bien sûr que n'étant pas italien, on peut faire un jeu inspiré du Dante, la condition étant de s'investir dans le matériau que l'on exploite, de véritablement l'explorer et de s'en nourrir. Toutes les relectures peuvent être passionnantes, le Alice de Jan Schwankmeyer est grisant par exemple, partant d'œuvres avec lesquelles on a un lien personnel intime, linguistique ou autre, c'est une relative garantie d'éviter le pur produit de consommation. De même, s'il y a bien une force à adapter une œuvre étrangère, celle du mélange culturel qui en découlera évidemment, le jeu vidéo concentre tellement vite une littérature moderne américaine généralisée, modèle qui est aussi celui du cinéma, qu'adapter en priorité des œuvres non anglaises me paraît une autre piste à envisager, toujours dans l'idée de creuser des sillons minoritaires et potentiellement source de nouveautés pour le jeu vidéo. Proposition 4. Paradoxalement, aller puiser dans des registres littéraires qui nous sont peu familiers pour accroître l'originalité éventuelle et la surprise chez l'auteur même du jeu, bref, produire du choc des imaginaires pour mener l'œuvre vers d'autres sentiers que ceux que les aficionados d'un genre useraient peut-être, s'ouvrir en se forçant à explorer des choses nouvelles et développer un lien intime à une œuvre, a priori hors de nos goûts. Proposition 5, choisir une œuvre à la langue riche, au véritable soin du verbe, pour que, partant de ce matériau, le jeu vidéo ait au moins la possibilité de s'intéresser aux détails des mots, voire de faire du mot juste, de la finesse de dialogue, une patte, une véritable force du jeu, comme chez LucasArts ou Telltales peut-être. Concernant la richesse linguistique comme critère d'adaptation, j'irai jusqu'à poétique, aux matériaux déréglés. Certes, il y a des règles esthétiques, sonores, rythmiques, selon époque et pays. Mayakovsky a une vision très structurée de la poésie. Mais s'il y a de la poésie dans les mathématiques, je crois moins aux mathématiques dans la poésie, ou bien on ne parle pas tout à fait de la même. La poésie est précisément poétique parce qu'elle n'est pas universelle, qu'elle exprime quelque chose d'individuel, unique, qui ne supportera pas la mise en catégorie stricte ou la traduction. Et je vois aussi dans le code quelque chose de poétique, prompt à se nourrir de poésie textuelle, de la créativité. Le fait que deux auteurs ne coderont pas la même proposition pareille, que poète ou codeur plonge dans un corps de texte qui existe pour lui-même, qui est une finalité, les liens entre poésie et code me semblent une piste à explorer en interrogeant le code comme poésie et non juste architecture ou maçonnerie du jeu. Proposition 6, rechercher une collaboration étroite, voire une collusion entre game design et scénario. Proposition 7, adapter une œuvre avec laquelle on a développé un lien intime et personnel, et éventuellement constituer préalablement une étude de texte de l'œuvre adaptée, être imbibé de ce matériau, quelle que soit la direction prise par l'adaptation. Proposition 8, privilégier des œuvres libres de droit et ou tombées dans le domaine public, pour plus de liberté encore dans l'approche. À la question de l'auteur vivant ou mort, je dirais, on peut prendre les deux, tant que cela ne castre pas les auteurs du jeu ni ne frustre l'auteur littéraire de l'œuvre d'origine. Pratchett pour Discworld ou Yamamura Misa pour Yamamura Misa Suspense, avec pourquoi pas l'auteur du texte initial participant même au jeu, l'idée est assez stimulante, je trouve. Proposition 9. Très éventuellement, s'agissant du contenu, si on entend créer un jeu d'une certaine originalité face au canon de genre établi, il faudrait plutôt privilégier une littérature ne favorisant pas l'expression de préconçus du jeu vidéo, type scène d'amour cousue, course-poursuite, action combattue héroïque, manichéisme préconstruit sur fond de monde en danger, et résolution du jeu univoque où tous les mystères sont déliés in fine. Ça sous-entend de connaître les préconçus du genre choisi et de les rapporter à l'œuvre originale, questionner les correspondances évoquées précédemment. L'œuvre choisie a-t-elle une incidence? Impose-t-elle une direction? La tempête de Shakespeare mène à deux jeux très littéraires et contemplatifs, mais le Dante aboutit à un actionneur, et le livre Stalker à un film particulier dans le champ du cinéma pour un Doom-like plus classique, banal. Bref, encore une fois, les possibilités sont infinies, ça ne tient qu'à l'imagination des créateurs. Et à ce sujet, au-delà du choix d'œuvres qui ne tendent pas la perche aux facilités éculées d'adaptation en jeu vidéo, une autre piste de création littéraire, artistique, originale en jeu vidéo serait de changer les associations préconçues entre langage d'interaction et sensation, sentiment, effet produit ou convoqué a priori,
déconstruire les rapports préconçus entre un certain type d'action-interaction et l'effet voulu sur le joueur. Par exemple, en vrac, l'idée que action, FPS, jeu de combat, schmup égale plaisir, déplacement libre et interaction minimale égale paysagisme, création d'atmosphère, esquive, fuite et économie de moyens type munitions limitées égale peur et tension, lecture ou énigme à résoudre égale satisfaction intellectuelle à la résolution, défi pour l'esprit. On pourrait refuser ces rapports types presque automatisés entre un système et ses effets supposés, par exemple essayer de concevoir un jeu de combat dramatique, terrorisant, mélancolique, où l'un des deux personnages meurt d'une seule touche, du sang partout, agonie crue, lente et longues conséquences passives à supporter, à contempler, pour une action centrée sur les esquives. Le tout dénué d'effets sportifs ou fun, juste l'horreur d'un affrontement, un bouton d'esquive façon Vagrant Story, à presser au moment exact, une gravité de l'action colossale. Ou encore un système de rôle opposé, mais au point de vue neutre et non pas partisan, un policier et un criminel jouable, deux soldats ennemis sans méchant ni effet d'excitation de la guerre, un système en pauvreté de moyens, économie, parfaitement décroissant mais plaisant à travers sa limite, excitant dans sa restriction, stoïcien, commençant avec beaucoup de choses dont on se débarrassera au fil du jeu, un sentiment d'allègement, des énigmes chronométrées terrorisantes, ou simplement tristes, administratives, déshumanisantes, etc. Et bien sûr, ramener toutes ces propositions au champ idéologique. En somme, interroger le langage en jeu vidéo au moins autant que le matériau littéraire initial, pour faire dialoguer les deux. Enfin, proposition 10, privilégier des œuvres au contenu intellectuel et aux idées stimulantes, complexes, suffisamment pour que, lors de l'adaptation, on essaye d'en conserver quelque chose pour ne pas trahir l'œuvre de façon trop manifeste. Si par exemple sa substantifique moelle, c'est l'idée théorique, analytique, le jeu vidéo devra trouver une façon de faire ressortir cela, ne pourra pas faire l'impasse dessus. Donc privilégier des œuvres excentriques et subtiles, riches en idées qui nous paraissent originales, me semble une bonne piste. Voilà, encore une fois ce sont quelques idées qui ne cherchent pas à faire école, mais à être interrogées elles-mêmes. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.